from the dead. Et salut tout le monde, c'est Maxicam aujourd'hui, nouvelle petite vidéo avec Titan, salut! Salut vieille branche! Eh oui, bien sûr! Et nous sommes toujours sur Fichtelberg. Ah, un message. Ouais. On le dira pas trop fort. Nous allons acheter premièrement des vaches, puisque la première fois on vous avait promis qu'on s'occuperait des animaux. Par combien on commence? Une trentaine peut-être déjà? Oh oui, au moins. Oh, ce sera bien une trentaine. Allez, 30. Tac. Acheté. Voilà. 30 vaches. Elles y sont au moins. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vaches. Après, je sais pas s'il y en a le nombre. Ah merde. 6 vaches. Ouais, même normal. Bouton pour sauter que pour le menu des animaux. Je sais pas pourquoi on voit jamais la totalité des vaches. Ouais, non, il y en avoir une douzaine. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah ouais, si, il y en a peut-être une vingtaine quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, on va commencer par pailler la stabu. Je pense que ça peut être une bonne chose. À moins qu'on aille acheter les cochons. Comme ça, on fait tous les achats maintenant. Ça ne va pas, ça, ou tes cochons? Attends, je suis en train d'y aller. J'y vais à pied. Bon, ok, je cours vite. Donc là, c'est ce qu'on a prévu pour après. Un petit peu d'ensilage. Hop. Donc, on va peut-être aller leur mettre de la farine de maïs. On va aller voir. Alors, pour les acheter, je suppose que c'est par là. Oui, c'est ça. On va en mettre une cinquantaine, je pense. Vas-y. Ça pourrait être pas mal déjà pour commencer. Attention, allez. Invasion de cochons. 51 cochons. Voilà. 1, 2. Bon, on en voit peut-être que 10. Hein, mais... 4, non, 12, quand même pas. 50, 90, 100. 250 tiens. Non, il y en a qui se promènent. Ok. Mais y en a... Ouh, mais c'est une grosse exploitation de cochons, mon dis donc. J'avais pas forcément prévu. Après, on va enchaîner sur l'ensilage d'herbe, ça marche. Vas-y, je vais préparer pour la paille. Ouais, vas-y, prépare. Hop. Ça marche toujours et ça change un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Donc ouais, tout à l'heure je disais, il n'y a pas eu de vidéo de la semaine, tout simplement parce que comme je vous ai dit, je préparais une expo de miniatures, donc ça demande pas mal de boulot de préparation et tout ça. Donc j'ai pas forcément eu le temps de faire de vidéo, même si j'aurais bien voulu. Il n'y aura pas de vidéo de cette expo maintenant, je vous le dis tout de suite, pour la simple raison que je n'ai pas eu le temps de prendre de photos ni de faire de vidéo. En plus, j'avais oublié ma GoPro à la maison et tout ça. Bravo! Oui! Et puis, après, j'ai pas eu le temps. Comme je fais du radio commandé, j'ai conduit en permanence toute la journée, enfin, toute l'après-midi, parce que l'expo commençait à 13h. J'ai vraiment pas eu le temps, j'ai pas arrêté une minute. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller prendre des photos. Et puis après, ça s'est fini assez tôt. Donc, j'ai pas non plus après eu le loisir de prendre des photos. Il a fallu que je remballe. J'avais quand même 3 heures de route derrière. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Un truc avec une fourche, c'est faisable, non? Pour avoir. Pour mettre de la paille. C'est-à-dire? Bah, il faut que je charge de la paille, mais j'ai pas de fourche. Ah. Bah, prends une fourche. Tu les as mis où les tracteurs? Bah, sinon, tu prends un truc pour le télescope, tu prends un pickbot de télescope. Attends, je t'en achète un. Bouge pas. Il est où le télescope? À côté de la farine. Je vais t'acheter un pickbot pour mettre dessus. Allez, celui-là ira très bien. Tac. Tu t'occupes de le réinitialiser? Ouais. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est faire un tas au bout du champ. On viendra le chercher plus tard avec la déterreuse. Avec le ramasseur de tas.
Puis on chargera tout ça dans un camion. Ça sera ce qu'il y a de plus simple. On va essayer de détourer ça quand même un coup et après on va stocker ça sur un bout. Ou sur un côté, je sais pas trop comment on va faire ça, dans, au pire dans l'herbe. Même si j'y tiens pas plus que ça. Si on veut l'ensiler après. Ah, il y a des beaux bugs de texture de temps en temps quand même. On va essayer de trouver notre map. Parce que bon, il y a quand même quelques bugs qui sont assez dommages. Même si, bon, globalement, on peut pas dire que c'est une mauvaise map. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, un petit peu à peaufiner. Tac. Alors. Non, c'est pas comme ça. Il y a notre map, mais elle est pas finie. Voilà, c'est ça. Elle est pas encore finie, ça. Je crois que ouais, ça va prendre un peu de temps, mais bon. Voilà, nickel, comme ça c'est bon. Mais bon, j'ai déjà créé un mode de A à Z, donc c'est pas mal. Oui. Voilà aussi pourquoi moi j'étais pas très disponible de la semaine. C'est ça. On va pas vous le montrer tout de suite le mode. C'est réservé pour plus tard. Top secret. Non, mais c'est ça, cette semaine ça a été compliqué donc. C'est top secret, mais alors par contre je vous dis. Parce que vous allez vous régaler, on va vous en mettre plein les yeux. On espère en tout cas. Ce sera du inédit. Putain, j'étais là, putain, je peux pas passer sous la poutre. J'avais pas vu qu'il y avait le truc amovible. Ah. Ah si, oui, tu peux. Ah bravo! Ah bravo, tiens, j'ai fait tomber la pile de bâton de paille. Allez, t'aurais gagné le droit de la refaire. Bon, bah écoute, c'est par terre, c'est par terre. Comme on dit, ça ira pas plus loin. Bon, je vais venir par là-bas. Et ensuite, on va se faire un petit peu d'ancile à acheter. Heureusement que j'avais prévu des trucs en secours au cas où. Et du coup, on commencera à s'occuper des animaux un petit peu en off. Même si on le voulait pas forcément. Alors, ce tracteur, je voulais vous le montrer parce qu'il y a un petit truc qui me plaît beaucoup. Vous faites shift de gauche. Avec eux en même temps et ça vous fait l'animation pour descendre de la cabine, c'est génial. Alors ça rend encore mieux quand on monte, hop, et que vous avez la vue de cabine. Donc tech left shift et eux et voilà, c'est nickel. Bon, je peux aller pailler. Eh ben vas-y, n'oublie pas de refermer la porte derrière. Je vais te charger une deuxième balle. Attention avec ta cacahuète là, je vais te mettre sur le toit. Ouais, je vois ça. Je vais pas la refermer, j'ai peur que ça bug. Non, ça va pas bugger. Si. Parce que la balle est plus longue que. Ça c'est pas grave. Faut que je me mette dans le bon sens, ce sera mieux. Là je suis un petit peu à l'envers, comme ça on va pailler la stabu. Et après on va se faire un petit peu d'ensilage d'herbe. D'ensilage d'herbe, je crois qu'on en a pas fait. On en a fait en maïs. Et en vidéo, on n'a pas dû vous en faire encore. Hop. Allez, c'est génial. Je me trompe de touche. Tac, c'est I. Voilà, c'est ça. Tu taperas la marche arrière. Ok. Allez, avance un peu. Reste pas au même endroit. Mais pas encore en roleplay. Ah, roleplay. Ouais, ça joue pas trop RP hein par là. Ah bah c'est peu. Attends, c'est que j'avais la caméra qui était en collision. Encore un peu. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Ferme la porte. Vas-y, c'est bon, ça passe. Bon, allez, je sais pas que, mais... Allez, déjà, ça fera deux bottes. Ça sera pas mal. Tu peux leur mettre de la bouffe. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? Et il y a de l'herbe. De l'herbe et de la paille, et c'est bon, t'as une ration. Ouais. Ouais, remarque, ouais, on peut se mettre ça dans la mélangeuse. Bah oui. Ça sera toujours ça. Allez, on va se faire une petite ration.
Donc là, vous voyez, on trouve quand même des trucs en secours. Par contre, ah ouais, mais devant la mélangeuse, il y a la pailleuse. Wow. Faut que je dégage tout ça. Bah, c'est pratique ce petit tracteur. T'es parti. Il fait un bruit pas possible, mais... je sais même pas où est-ce que je laisse la pailleuse, là, je suis en train de tourner en rond. Est-ce que je vais avoir besoin de la cuve à eau tout à l'heure? Ouais. Mais m'énerve là, cette botte de paille, là, oh. J'ai peut-être mon pédalier qui grince un peu, c'est peut-être désagréable, je sais pas si ça s'entend en vidéo. Ah oui, carrément. Faut que j'y regarde. Faut falloir que j'y fasse quelque chose. Mais de l'huile. Je vais peut-être finir au clavier, oui, c'est ça. Je vais peut-être finir au clavier, ça fera un petit peu moins de bruit, c'est dommage, mais... Bon, si tu le dis pas, on voit pas la différence. C'est ça. Et jouer au clavier plus volant, je vous cache pas que c'est la galère. Les deux en même temps. Pour tourner, le volant est plus souple, mais bon, je m'occuperai de mon pédalier, lui remettre 2-3 gouttes d'huile, parce que... Ouais, tu dois mettre ta mélangeuse, là ? Ouais, j'arrive. Ça doit faire un petit moment que j'en ai pas mis. Allez, j'arrive. Tac, tu mets ça dans le bol, et ça sera nickel. Ouais, et t'en mets pas trop, hein. T'as mis quoi, là-dedans ? Rien, j'ai tout foutu à côté. Si, si, il y en a une dedans, mais... Ah, ok, d'accord, t'as mis la paille. Et là, c'est quoi, ces deux d'herbe, là ? Non, il y avait d'autres pailles et une d'herbe. Faut mettre plus d'herbe que de paille. Ok, bah écoute... Mais que celle d'herbe dedans. Hop, allez, ça fera la miniature. Plum. Tu veux une d'herbe de plus? Ouais. Puis t'attendras une seconde... Hein? Faudrait qu'on fasse de l'enrubané. T'attendras une seconde avant de la poser dedans pour que je fasse la miniature de la vidéo. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire de l'enrubané un petit peu en herbe. C'est pas faux. Ça te permet de pas faire d'un silage. Peut-être pas prochaine vidéo, mais c'est un truc qu'on fait pas souvent, donc pourquoi pas en faire. Ah, c'est bon, ça te va? Allez, nickel, j'ai la miniature, parfait. Allez, gosse, impeccable. Allez, va me nourrir mes petites vaches, là. Allez, je vais nourrir ça, alors je regarde la ration, ok. On a un petit peu trop de paille, un petit poil trop de paille. C'est pas grave. Et à peine assez d'herbe, mais bon. C'est comme quand elle bouffe leur litière. C'est la pas sûr, en herbe, on est pas mal. Allez, on va vider ça. Ça les nourrira un petit peu déjà. C'est pas plus mal. D'accord, je garde la paille dedans. C'est génial. Ah oui, d'accord, ça la vide après. Je sais pas si c'est normal que ça fasse ça. C'est quoi cette voiture là? C'est qui ce forain là qui est venu squatter notre ferme? Qui a garé sa voiture, ouais. Alors, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une voiture. Alors du coup, en silage fond, ok, on en a un peu. Paille, ouais, on a largement ce qu'il faut, on est largement bon. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. Et on va finir par l'ensilage d'herbe après. J'ai reculé la mélangeuse à côté du télescope. Prochaine fois, on fera une ration complète. On essaiera de la faire bien équilibrée. Ah bah t'as pris mon tracteur, toi. Je fais un essai. Ça, on verra quand tu auras de la nourriture à côté. Quand oh, le bruit qui fait le bordel. Je vais en avoir besoin pour aller chercher un petit peu d'eau. Ah bah tu dételles ça à côté là, devant la balayeuse au pire. Ça sera bien. C'est ce que j'allais faire, chef. Avec un pauvre pneu tout neuf.
Le il devrait faire le... Il devrait faire l'usure, tu sais. Presque. Oh, doucement. Là. Hop. Allez. Tiens, je vais récupérer mon petit tracteur. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Allez, c'est parti. Elle cabre un peu la cuve. Ah. Le timon, il est où? Possible. Bah oui, j'ai vu que la tâche était haute. Alors, est-ce que par là ça passe? Allez, on va dire que oui. Allez, on va charger ça. Tac. Allez, on charge. Eh, tu pourrais baisser le bras. Hein. Excusez-moi, vous le voulez pas le mec là-bas? Non. Eh ben non, ils en veulent pas. Non. Il a demandé à la madame, elle a dit que non. Bon, allez. Allez, on va aller vider ça dans le champ des vaches. Donc j'ai vu que le trigger était derrière apparemment. Oui, si j'ai vu l'entrée déjà l'autre jour. J'ai regardé un petit peu quand même. Oui, c'est là. Il me semble que l'entrée est au fond. Tu t'es planté, chef. Quoi? Ouais, tu peux passer à travers. Où ça? C'était l'autre route. Ok. Allez. Rentre chez toi. C'était... Ah, elle coupe à travers, elle est là l'entrée. Ouais, elle est là-bas derrière le cabanon. Mais bon, c'est pas grave, t'en voudras pas. Hein. C'est ça. Ok, j'ai fait demi-tour n'importe comment, c'est génial. Pourtant, en volant d'habitude, je me débrouille. Ouais, mais t'es mauvais, t'es mauvais. Alors, l'entrée, elle est au coin là. Voilà, c'est ça. Mais il me semblait qu'on pouvait rentrer en face, c'est pour ça. Hop, et voilà. Qu'est-ce que tu te fais chier? Ça se remplit de l'autre côté, il y a de l'autre côté le trigger. Hein? Il est là le trigger, là où j'ai suis. Tu vas où? Bah là. Ah, c'est dans le trou la flotte. Oui. Ah bon? Il me semble. Tac. Oui, oui, c'est bien là. Voilà, ça met de l'eau. Nickel. Oh, pauvre vache, elle va boire de la boue. Ça y est, il y en a assez? Bah apparemment. Bon bah écoute. Là, je prends tac, mon en eau, ouais c'est bon, il y en a assez, bon bah ok. Je prends mon bain dans la boue. Hop, bon je vais le laisser là pour l'instant, hein, même si les vaches montent dessus, c'est pas trop grave. Allez, on va aller faire un petit peu d'ensilage d'herbe. Allez mon petit garde, dépêche-toi, il y a la nuit qui tombe, hein. J'arrive, j'arrive. Je vois qu'il est 20h41. Tu vas ensilager quoi? D'où l'herbe. Tiens, allez, je vais faire un petit peu d'ensileuse. Hop, c'est ce qu'on a commencé l'autre jour. Eh oui. Doucement. Allez, on est parti. Ok. Un beau bug. Bah attends, doucement, chef. Le drive control, il démarre comme une de chevaux, quoi. Allez, gosse. Sinon je te pousse moi. Doucement parce qu'après j'ai des problèmes de caméra. Mais ça charge rien là. Ah ouais mais il y avait plus d'herbe. C'est ça. Vas-y avance, avance, avance. Yeah, c'est ce que je fais. Vas-y démarre. Démarre, démarre, démarre. Ouais t'inquiète pas, je démarre. Mais roule là. Doucement. Hein. Parce que, là y'a rien qui arrive dans la remorque après. Alors là, il y a encore un petit peu d'herbe. Tac, il y en a surtout par là. Eh, vas-y. Tac, je vais faire le long. Là. Comme ça, on va se faire un petit peu d'herbe. Eh, je te pousse à la baille ou quoi? Non, pas trop, non. Elle est jolie, cette ensileuse, franchement. C'est la classe. Dire, elle est pas mal. C'est la classe en classe. Si. J'aime bien les ensileuses de chez Classe. Je les trouve jolies.
Celle de chez Class et de chez Krone. Et puis les nouvelles, je viens de dire, sont pas mal aussi, franchement, au niveau design. Je les trouve plutôt jolies. Après, c'est vrai que la cabine des nouvelles Mjolnir est pas mal non plus. Enfin, des nouvelles, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, la série, déjà. Mais j'ai trouvé la cabine pas mal. Dites-moi d'ailleurs si vous avez une ancileuse d'ailleurs, laquelle vous avez, et laquelle vous aimez bien. Même si vous en avez pas, laquelle vous aimez bien. Bon, j'en ai pas. Non, bah moi non plus. Je fais pas l'ancilage. Moi non plus, j'en ai pas, mais... J'aime bien... C'est vrai que il y a eu du progrès, je trouve. Niveau design, elles sont pas dégueulasses. Allez, on va faire demi-tour. Hop. Allez, moi je perds pas de temps. Bah, moi oui. Je vais t'attendre quand même. Voilà. Bon, bah, c'est nickel tout ça. Ça marche plutôt bien. Ça, on va pouvoir aller vider ça, tasser tout ça, fermer le silo et après on s'arrêtera là. Ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Ah, là il n'y a plus rien par là. Là, avant par là, il y en a un peu là. Là, il y en a un petit poil. Ouais. Quelle idée quoi, il se prend pour la DD, il fait les accotements. Ah bah, moi je ramasse tout ce qui traîne. Ah, il y en a un peu là. Oui, oui, t'inquiète pas, je le ramasse. Hop. Là, je vais détourer par l'autre côté, roule dans le champ. C'est pas grave, il est. Tac, ben on va redescendre par là d'ailleurs. Rapproche-toi. Hein. C'est toi qui traîne, c'est tout. Tu pourrais baisser ta coupe. Bah, elle est baissée. Bah, non, elle est qui en l'air. Non, elle est baissée, je te confirme. C'est vrai qu'elle est un peu haute. 27 tonnes. Ah, c'est pas mal déjà. Attendez sur le sapin. Oui, c'est ce que je vois. Vas-y, esquive à gauche. Hop, et là après, il n'y a plus rien. Monsieur. Ah non, on a déjà fait. Je te rappelle qu'on l'a fauché la dernière fois. Il en reste en bas, t'as qu'à aller faire la bordure de la maison. Voilà. Allez, fais les fossés, tiens. Enfin, du moins ce qui reste dans les fossés. Oui. Allez, on en suit le boudron, parce que c'est bon. Allez, fais les arbres aussi. Allez, toujours plus. Nous, on en suit les arbres. Oui. En rendement énergétique pour faire du biogaz, peut-être. Bah après tu remontes sur la gauche. Ils ont s'il y a du bambou maintenant dans les biogaz alors. J'ai la goulotte qui va traverser la cabine. Ralentis, ralentis, ralentis. T'as plus rien qui arrive dans la benne. Wow. Je peux pas accélérer moi. Pour moi, merde. Attends, je suis descendu du tracteur. Ah, un peu con. Viens-moi planter les touches. Allez, on est reparti. 27 tonnes, l'herbe elle est pas grasse ici. Bah, c'est les bordures aussi. Avance, avance, avance. Ah ouais, coup j'avance, coup je ralentis, vas-y tourne. Oui. Tourne tout de suite. Y'a le coq qui a mis un poteau électrique. Allez, ça se sera fait, bah, vas-y, va vider ça, après on s'arrête là. Allez. Ouais. Bon, je vais l'arrêter là, je la ramènerai plus tard, c'est pas grave. Il la laisse partout. Ouais, c'est ça. C'est une catastrophe.
Hop. Est-ce que tu crois que je passe entre les deux arbres? Très bonne question. Alors, le silo à 100% de tassement, il y a déjà 226 m3 dedans. C'est pas mal. On n'a plus la tondeuse Amazon pour faire les silos en 5 minutes. Non, c'est vrai que c'était très pratique pour ceux qui connaissent. Ça permettait de faire les silos très rapidement. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on va aller tasser tout ça tranquillement. Allez, c'est génial. J'ai oublié d'écraser la pédale de frein. Et en plus, je m'en mêle. Hop, on va tasser tout ça. Là, je vais le faire au clavier, c'est plus facile pour tasser. J'ai 4% d'herbes qui ont pas envie. Ah. Ouais. Vous avez envie de rester dans la machine? C'est ça. T'as essayé de les vider un peu plus loin? Ah ouais, je viens de les vider par terre, ça marche. C'est pas grave, je les pousserai à la lame. Ouf, pour le petit tas qu'il y a. Ouais, bah je le pousserai quand même. Les 200 kilos qui sont par terre. Ce sera toujours ça. Salut les filles! Alors, c'est l'heure de la bouffe? Le temps que l'ensilage fermente. Soit un petit moment quand même. Hop, on va bien remonter tout ça et après on va le tasser. C'est quand on peut pas prendre les pneus en multi? Pourtant, c'était marqué qu'on pouvait, il me semble. Bah non. Mais c'est vrai que j'arrive pas à les prendre non plus. Hop, alors on va ramasser un petit peu ce qu'il y a là. Voilà, c'est ça. Et on va aller le ramener là-bas. Je sais même pas si on a ramassé quelque chose d'ailleurs. Ouais, on a 5 kilos. Waouh. Il y avait 4%. Ouais, pourtant 4% ça doit faire 200 ou 300 kilos. Là. Allez, je vais repousser un petit coup et après on va tasser. Ça va, il est monté haut. Ça en fait pas beaucoup, mais bon, pour nourrir les vaches et jusqu'à temps qu'on trouve une autre map, déjà ce sera pas mal en ensilage. Putain d'ortie, ça pique. J'ai regardé, il y a une nouvelle version de All Stream qui est sortie. Je pense pas qu'on joue dessus, ou alors peut-être un ou deux épisodes, mais pas plus. J'y sais pas. Parce que comme c'est bon, c'est une petite map qui est bon, faut le dire, elle est sympa. Mais bon, comme on a déjà joué sur la première version, on verra peut-être qu'on jouera un petit peu dessus, mais pas beaucoup, je pense. On essaiera de se trouver une autre map bien sympa. Dites-nous d'ailleurs s'il y a une map que vous avez envie qu'on fasse. Histoire de faire 5 ou 6 vidéos dessus. S'il y a une map qui vous paraît bien ou qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Ah, il a du mal hein, le Newland. Pourtant, avec ses 480 chevaux. Ouais, mais bon. Ça devrait pouvoir y aller. Aïe! J'ai pris un pneu sur la gueule. Bon, bah comme ça, c'est fait. Tu voulais monter des pneus en haut du silo? Bah c'est fait. Allez. T'as plus qu'à me tasser ça. Enfin, à me le recouvrir, je veux dire. Il y a la map du 2011. Oui, ça j'ai vu. Bah alors, t'avances toi? Comment ça se fait qu'il avance pas? Dandine-le à droite et à gauche. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Allez, ouais, tu peux recouvrir. R. Eh ben, voilà, nickel. C'est beau, c'est magnifique. Le silo a été recouvert. Il y a une map là qui est sortie, il faut que je regarde ce que c'est. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ah oui, effectivement. On peut pas soulever les pneus. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, donc entre autres sur la map, sur l'ensileuse, parce que je suis bien curieux de savoir.
Et puis, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, c'est un super moyen pour nous soutenir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Bon, on espère trouver une autre map pour faire des trucs un petit peu plus de qualité. Bon, j'ai 2-3 petites idées derrière la tête. Voilà. En attendant que la nôtre soit prête. Sur ce, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Et plouf.